balobi mama mardi ne mama mardi ne balobi shop Africa Union mais quand t'es un nyoso biloko ya ya wali yo kongole oni ginde kola yo a sali sa yote bona kolia na yo moko babonde la yo bona nzoto na yo babo ya ele poko babonde la yo balobi bio Bio Africa Union et toi t'es tout à coup on a pas chinois sinon on est pas ya sinon on est ali Ne colère pas de ça, parce que c'est un logo yambo, ya fresh, ya bio, bio na bio, bio na bio, si on a mangé le poulet mon canja isali, par obi njomo yali, en Cuba paniwa, par obi njenge isali, ya komba kanga ya shembo to yambi sela, par obi niyamba ya bosu ya boko boso isaga ne, kala ngando ne kala ni na basi, oye tuke na sutu, isako dia na peti, kwa mama mande. Pour pas comprendre le thème, pas comme où allons-nous? Où allons-nous? Pour la Coriana, puis nous m'envoie, pas pour les radis, Coriana, appétit! Mesdames et messieurs, merci de suivre cette émission face à face. Je reçois l'un des parrains de cette chaîne d'ailleurs, congobeuse, le professeur André Mbata. Je rappelle que le professeur André Mbata est professeur de droit constitutionnel et professeur de l'une des meilleures universités d'Afrique. Il enseigne aussi en RDC, il est député national. Aujourd'hui, nous allons discuter avec lui autour de la question, une question très importante. En plus de tout ça, il est le secrétaire exécutif, le rédacteur exécutif de la grande revue panafricaine. Cette, le rédacteur en chef. Oui, le rédacteur en chef. Hein, voilà. De la revue africaine. Alors, cette revue africaine, et puis, membre important d'ailleurs de l'IDGPA. Merci. Prof, comment allez-vous? Merci Christian, je vais bien. Et vous? Oui, je vais très bien, prof. Prof, à un moment donné, je me pose la question, si nous devions, il faut continuer à parler encore des professeurs dans ce pays. Je me pose la question, professeur, ce que vous dites, si vous suivez le prof Bouchard, il dit le contraire. Vous suivez le prof Kabamba, il dit le contraire. Et je me pose la question, comment vous n'avez pas une sorte de, au moins d'unanimité autour d'une question? Bon, le problème, Christian, c'est que les... Vous savez, Jean-François Bayard, le politologue français, avait écrit son livre. Je l'ai rappelé une fois, plus d'une fois. Il avait écrit un livre intitulé « La politique du ventre en Afrique ». Les gens font la politique pour leur ventre. C'est ce qu'il avait constaté. Il est parti de l'exemple camerounais où lorsque vous êtes nommé ministre ou PDG, le ventre gonfle. Et lorsque vous êtes révoqué le lendemain, il n'y a plus de ventre. On ne reconnaît plus la personne qui était et qui avait le ventre, la politique du ventre. Mais bien plus que cela, il y a de plus en plus, et beaucoup en Afrique, beaucoup de diplômés ou même d'universitaires qui font la science du ventre. Donc on est passé de la politique du ventre à la science du ventre. Alors, le cas dont vous parlez, ce sont des cas de science du ventre. La preuve que la plupart des hérésies qui sont débitées au nom de la science du ventre, elles ne sont pas débitées dans les universités. Parce que ces personnes-là que vous citez... Si, à Colosi, hein, Colosi, c'est quelle université, je ne sais pas. Bon, elles ne sont pas débitées. La personne donne à l'université de Kinshasa, qui est la plus grande université de la République. Oui. La faculté de droit de l'université de Kinshasa, où je l'honore d'enseigner, où je suis professeur ordinaire, est la plus grande faculté de toute la République. Mais quand la personne enseigne ici, elle n'a jamais dit qu'elle n'a jamais débité de telles hérésies. Non. Bon, on va le dire dans des périphéries. Et d'autres aussi, il y a professeurs et professeurs, il y a, j'ai toujours dit que tout le monde n'est pas juriste. Tout juriste n'est pas constitutionnaliste. Il faut ajouter tout constitutionnaliste n'est pas bon. Bon, dans le cas précis, il ne faut pas mélanger aussi tout le monde. Le professeur belge dont vous parlez, il n'est pas constitutionnaliste. Le professeur Kabamba. Mais il est présenté comme constitutionnaliste et rédacteur, mais co-rédacteur de la Constitution, monsieur c'est le professeur. Qui? Mon jeune frère Bob Kabamba. Oui, oui. Mais Bob Kabamba n'est pas constitutionnaliste. C'est quand il veut. C'est terrible votre pays, non? Bah, c'est... On peut ne pas être grand constitutionnaliste reconnu en Belgique, mais quand on vient dans la périphérie, comme du temps de la colonisation, vous commencez à transporter des gens sur les tipoïs. Regardez la liste des constitutionnalistes belges. Vous allez, d'abord, ce n'est pas un problème, plusieurs personnes, d'ailleurs, on peut revoir ces dispositions sur la nationalité, mais à l'heure précise, notre jeune frère, Bob Kabamba, c'est un Belge.
Mais ça ne relève pas, ça. Ça ne relève pas, parce que vous savez, c'est un bel, il faut connaître le texte. Vous ne voyez pas des constitutionnalistes français, des grands noms en train d'intervenir, de débiter des hérésies sur le Congo. Vous ne voyez pas des constitutionnalistes américains, s'il vous plaît. Vous ne voyez pas des Américains, des constitutionnalistes allemands en train de débiter des hérésies sur le Congo, parce qu'ils ne le connaissent pas. Mais lorsque vous avez un Belge dont la spécialité devient sur le coup, aller en Belgique, est-ce qu'il donne un cours de droit constitutionnel dans l'université belge? Bah, c'est domaine de recherche, donc c'est constitutionnel. Mais c'est un peu ce domaine de recherche. La notion des États. Aller à l'université de Liège, donnez-moi la liste des professeurs, dites-moi si le pauvre Kabamba donne le cours. Il donne, peut donner le régime, les régimes politiques comparés. Oui. Parce qu'en réalité, il est politologue. Il enseigne à l'ULG, je crois. L'ULG, c'est l'université de Liège. Il faut dire que cette université n'a pas beaucoup de. N'a pas trop de crédit chez nous. Ce sont des chercheurs de l'université belge qui ont soutenu la sécession katangaise. Les gens ne s'en souviennent pas. Je vais vous dire que ce sont les universitaires de l'université Liège en Belgique qui ont soutenu la sécession katangaise. Mais ça n'enlève pas le caractère scientifique de leur raisonnement. Le caractère scientifique, ça n'enlève pas. Mais vous ne pouvez pas émettre que chez vous. Vous ne pouvez pas, vous êtes là. Vous avez vu combien de Congolais parce que vous avez des constitutionnalistes. Moi, je peux réfléchir sur le système américain parce que j'enseigne dans une université anglophone en Afrique du Sud. J'ai écrit sur les États-Unis d'Amérique. Je peux y réfléchir. Mais vous avez déjà vu un grand constitutionnaliste américain en train d'enseigner, en train de parler d'abord qui est tout le temps au Congo, je ne sais pourquoi faire. Tu ne peux pas faire ta publicité en Belgique ou à Bruxelles? Ou à Liège, ou à Liège. Il dit que le pouvoir du président de la République et le pouvoir du Premier ministre sont pratiquement le même pouvoir et que personne n'a plus de pouvoir. Ce sont des hérésies, je ne veux pas m'attarder. Il dit qu'il faut aller dans le binôme, il faut voir ça dans la façon... Il ne faut pas, c'est-à-dire quand vous n'êtes pas constitutionnaliste. Moi, je suis membre du réseau de constitutionnalistes africains et de l'Association internationale des droits constitutionnels. Ne me parlez pas des gens qui ne sont même pas membres de ces associations. Et pourquoi on doit perdre de temps quand on vient au Congo? C'est un peu comme le temps de la colonisation. Quelqu'un qui n'est pas connu chez lui, et il vient chez vous, il devient un expert et un coopérant. Non, non, mais c'est n'importe quoi. Je vais arriver. Oui. Je vais arriver. Où est le problème? La constitution belge, ce n'est pas la constitution congolaise. La preuve que nous avons un chef d'État élu. La Belgique a un roi. Il ne faut pas confondre les choses. Et il faut répondre à ceux qui ont raconté d'autres hérésies sur le régime. Ça, on reviendra. Oui, mais d'abord, le professeur Kabamba, il dit par exemple que l'ordonnance nommant l'informateur doit avoir un contre-saint. Écoutez, est-ce qu'on va... Vous m'appellerez après lorsque l'ordonnance... Sur cette question-là, vous m'appellerez après lorsque l'ordonnance sera signée dans les heures qui viennent. S'il vous plaît. Oui, mais les gens attendent ça aussi. Hein. Les gens comprennent, ils disent le président n'a pas signé le grand pouvoir. J'attendais quand le président signera l'ordonnance, je reviendrai sur votre plateau. Il y a un professeur qui a dit la même chose, je ne sais pas. Et puis, il faut aller plus loin. Oui. Un informateur, ce n'est pas nouveau dans notre pays, non? Ce n'est pas nouveau. Mais Koya Diallo était nommé informateur dans ce pays. Je crois Gizenga, je ne sais pas si c'est Gizenga ou Kouagel, il y a au moins, l'ancien président avait nommé au moins des informateurs. Bon, je ne sais pas. Écoutez, par exemple, voilà la situation telle qu'elle se présente. Vous arrivez, par exemple, vous venez des élections. Tout le monde est démissionnaire. Vous venez des élections. La majorité peut avoir changé dans le pays. C'est le premier gouvernement que vous mettez en place. Qui va contresigner l'ordonnance? Je reprends l'exemple. Vous venez des élections, tout le monde est démissionnaire. Bon, vous venez par exemple, vous êtes au mois de février, Joseph Kabila doit nommer, Félix Tshisekedi plutôt, élu président de la République, proclamé en janvier 2019, il nomme un informateur au mois de février et il va faire contresigner l'ordonnance par l'ancien premier ministre de Kabila? Par Tshibala? Par l'ancien premier ministre de Kabila? Non. Mais que dit la loi exactement sur cette question? Sur cette question, je reviendrai. Tout ce que je peux dire à ce moment, que nos amis attendent. Hein, que nos amis attendent. C'est qu'il faut dire que le président de la République, dans notre système, ce n'est pas le roi des Belges. Il a des pouvoirs et des pouvoirs très importants.
Alors, avant d'aller là-bas, ouais. j'ai lu un commentaire et ouais. vous nous dites quoi. Okay. C'est Mozito Adolphe qui le dit. Il dit, on nomme un informateur quand il n'y a pas de gouvernement en place. Ou quand le gouvernement en place tombe. Et le gouvernement Ilunga tombera quand ce dernier démissionnera. Et s'il démissionne, c'est que Kabila est d'accord. Et s'il est d'accord, c'est que le deal Fachi, Kabila, continue. Seule la Cour constitutionnelle peut constater l'inconstitutionnalité de l'ordonnance nommant Ilukamba. Et cette constatation doit être préalable à la nomination de l'informateur et tout ça. Écoutez, l'ancien Premier ministre Mozito a été inspecteur de finances. Je crois qu'ils prennent plus de temps à réfléchir sur les finances au lieu de dire des choses dans un domaine qu'ils ne maîtrisent même pas. Prouvez le contraire, professeur. Quel contraire? De ce qu'il dit. Comment on peut nommer un informateur alors qu'il y a un gouvernement en place? C'est la question que Mozito pose. C'est ça la question que, oui. que vous me posez, pas que Mozito me pose. Oui. Hein? Mozito, qu'est-ce qu'il va dire? La Constitution, à l'article 178, où on parle de l'informateur. C'est l'unique article où on parle de l'informateur. 100? C'est 78, 78, 78, comme disent les Belges. Ouais, parce que vous venez d'évoquer un professeur belge, le nom du professeur de Bob Kabam. Oui. Oui. Où est-ce qu'on dit qu'il doit nommer, où est-ce qu'on a limité le pouvoir du président de nommer un informateur? Est-ce qu'il peut lire ça? Je parle de l'article en question. Oui, lisez. Si une telle majorité n'existe pas, le président de la République confie une mission d'information à une personnalité en vue d'identifier une coalition. Est-ce qu'on vous a dit, la Constitution vous dit qu'il y a un premier ministre et le président ne nomme pas un informateur? Allons-y. C'est vous qui lisez. Oui, oui. Ou est-ce qu'on vous dit non? Moi, je vous dis, s'il y a un premier ministre, on nomme pas un informateur, signé Dixit, M. Mozito. Est-ce que, quand il lit cet article-là, il a des conseillers ou il a des jeunes gens, des juristes qui essaient de l'aider, mais qui ne sont pas des constitutionnalistes comme tels. Il a des juristes qui essaient de l'aider. Est-ce qu'il a trouvé une disposition où on interdit au président de nommer un informateur? On raconte n'importe quoi. Oui, mais ce qui est n'importe quoi constitue aujourd'hui un moyen du peuple de réfléchir. Alors, pour détruire ça, il faudrait que ce soit des gens comme vous. Mais je vous dis, j'affirme que la Constitution de la République n'interdit pas au président Félix Tshisekedi de nommer un informateur. Je crois que vous êtes aussi beaucoup dans les médias. J'ai écrit depuis le mois d'octobre plusieurs fois que le Premier ministre Ilunga Ilunkamba doit éviter le ridicule. Et le président de la République n'a pas besoin de sa démission pour nommer un informateur. C'est moi qui ai écrit depuis le mois d'octobre. Et j'avais averti, c'est depuis le 27 octobre, suivez ce que le prof Mbata a écrit, même dans 7 sur 7, qui est chez l'un de vos confrères, 7 sur 7, regardez ma tribune, j'ai dit, le président de la République n'a pas besoin de la démission de Ilunga Ilunkamba pour nommer un informateur. Et je n'ai reçu aucune réplique. Et j'avais averti à la même époque qu'on ne vienne pas après m'engager dans des débats. Prof, est-ce qu'il peut nommer un informateur? Je vous ai déjà dit depuis le mois d'octobre. Mais vous allez accepter les débats, c'est tout à fait normal. Mais je vous l'ai dit depuis le mois d'octobre oui. que je ne viendrai pas et j'ai attendu tous les débats. Vous savez, cette succès, c'est quand même le média en ligne, l'un des plus lus de la République démocratique du Congo. Et c'est avec, je l'ai fait sciemment, mettant une tribune là, pour que les Congolais qui sont dans la diaspora, qui sont dans les provinces, ou même des Belges, ou même les Français qui le lisent. J'ai écrit ça depuis. Pourquoi? Oui, mais le moment ne s'y prêtait pas. Aujourd'hui, on est en mais on devait y arriver. Okay. On devait y arriver. C'est pourquoi les questions se posent. On se dit, mais votre collègue professeur Bouchab, il dit dans une université à Kolozi que nous étions dans un régime primo-ministériel. Il a mis tout le monde à défi. Le professeur Joly était avec lui. Qu'on lui cite un seul article qui donne plus de pouvoir au président qu'il ne donne au Premier ministre. Alors, nous voulons entendre notre articles. Professeur. Oui, vous, professeur de droit, dites-nous, est-ce que le président, dans cette constitution, a plus de pouvoir que le Premier ministre? Prouvez-le. Il faut d'abord nous essayer. Avec mon grand frère, le pauvre Bouchab, quand il n'est pas dans des universités dans les clubs du PPRD ou tout ça, on est d'accord sur presque toutes les choses, sur tout ce qu'on dit. Ici, là, c'est une hérésie, c'est une aberration. Ceux qui avaient pris note qu'en droit constitutionnel congolais, le président de la République a moins de pouvoir que le Premier ministre, si vous avez pris des notes, il faut les déchirer. Il faut les envoyer à la poubelle. Je suis en train de dire ça. Oui. En droit constitutionnel congolais, dire que le Premier ministre a plus de pouvoir que le président de la République, si vous aviez pris note, jetez-les et envoyez-les à la poubelle.
Et c'est lui qui le dit, c'est qui. Vous savez, nous parlons du droit constitutionnel congolais. Est-ce que vous savez, Christian? Vous avez étudié, c'est la plus grande université de la République Lunikine. La faculté de droit, c'est la plus grande. L'unique professeur qui donne le cours de droit constitutionnel, c'est celui qui vous parle. Congolais. Dans la plus grande, c'est lui qui donne aujourd'hui même, à qui l'université a donné la charge, la chaire du droit constitutionnel congolais, dans la plus grande université de la République, dans la plus grande faculté de droit de la République, c'est celui qui est devant vous. Et quand il parle... Et pas qu'ici, vous faites aussi dans une grande université. Bon, mais ailleurs, j'enseigne en Afrique du Sud, j'enseigne. Je suis membre du réseau de constitutionnalistes africains. Et vous voulez que les gens disent qu'il faut être humble. Donc c'est moi, cette matière-là, il faut être humble, mais cette chaire-là, c'est lui qui donne le cours de droit constitutionnel congolais dans la plus grande faculté de droit du pays, dans la plus grande université de la République, c'est celui qui parle, s'il vous plaît. Donc vous avez un argument, vous pouvez l'écouter. Vous avez un argument d'autorité. En dehors de cela, je vous le dis maintenant. Ok. Pour vous démontrer qu'il faut jeter ces notes-là dès aujourd'hui. Exactement. Celui qui a pris vos notes, il les déchire aujourd'hui. Article 68. Nous sommes... Quelles sont les institutions de la République? Premièrement, le président de la République. Lisez toutes les institutions. Très bien. On dit, l'article 68, les institutions de la République sont le président de la République, 2, le Parlement, 3, le gouvernement, 4, le cours des tribunaux. Quelle est la première institution, s'il vous plaît? Président de la République. Vous avez vu quelque part que le Premier ministre est une institution? C'est l'article... Comment vous allez... Vous ne pouvez demander, il a raison. C'est quand vous parlez à des ignorants, vous croyez que tout le monde est là, il a raison, non? À Colosie qui pouvait contrecarrer mon cher collègue. Donc, à Colosie, on ne peut pas le contrecarrer. Bon, article 68, le président de la République est la première institution, le premier ministre n'en est pas. Article 69. Article 69, le président de la République est le chef de l'État. Il représente la nation et il est le symbole de l'unité nationale. Il veille au respect de la Constitution. Il assure par son arbitrage le fonctionnement régulier de pouvoirs publics et des institutions, ainsi que la continuité de l'État. Il est le garant de l'indépendance nationale, de l'intégrité du territoire, de la souveraineté nationale et du respect des traités et accords internationaux. Merci beaucoup, Christian. Le président de la République est le chef de l'État. Le gouvernement fait partie de l'État, non? Oui. Qui est le chef? C'est le président. Le président de la République. Il y en a deux? Non, il n'y a que le président, en fait. C'est lui le chef de l'État qui comprend toutes ces institutions que vous avez étudiées en droit. Vous avez le gouvernement, vous avez le territoire, vous avez la souveraineté, n'est-ce pas? Oui. Et vous avez la population. Le chef de l'État, c'est le président de la République. On vous a dit que le Premier ministre est chef de l'État? Non. Il représente la nation, n'est-ce pas? Oui. Vous avez lu quelque part le Premier ministre représente la nation pour le comparer au président de la République? Non. Il est... Le symbole de l'unité nationale. Le symbole de l'unité nationale. Vous avez déjà vu quelque part que le Premier ministre est symbole de l'unité nationale? Non. Il est... Il veille au respect de la Constitution. Il veille, c'est lui qui veille au respect de la Constitution. Il fait encore quoi? Pas le Premier ministre, mais lui le président. Lui le président. Et puis il assure... Par son arbitrage, les fonctionnements réguliers du pouvoir public. Voilà, il assure par son arbitrage. Et puis, je vais vous dire une chose. Comme il est la première institution, il est à la fois joueur et arbitre. Mais dis-moi, vous savez même les Congolais moyens ou ordinaires. Vous allez comparer l'arbitre à un gardien de but? L'arbitre a des pouvoirs exorbitants. Mais dites-moi, parce qu'il faut amener ça dans des termes simples. Lui, il est joueur et arbitre. Mais l'arbitre, c'est le chef. Il peut vous dire, même quand il n'y a pas pénalty, il siffle le pénalty. C'est consommé. Oui. Et ça, c'est pour faire comprendre aux Congolais moyens ou à nos compatriotes que n'importe qui descend de n'importe où pour tromper et d'essayer des hérésies. C'est lui l'arbitre. Il peut vous dire, même quand le match est terminé, les gens sifflent. Ouais, on siffle, match est terminé, comme on le voit au stade du VME. Lui dit non. Ça continue. Ça continue encore 5 minutes. C'est lui. Et prenez l'ancien président, le mandat est terminé. Il a fait 2 ans de plus. Il a fait 2 ans de plus. C'est l'arbitre. Vous allez comparer quoi? Et puis, il est élu. Le président, le premier ministre, vous allez comparer un élu à un non-élu. Mais je comprends le problème. C'est que nos amis, ils ont étudié en Belgique. Les deux là.
que vous avez cité, Bouchab et Kabamba, ils ont étudié en Belgique, l'autre en Belgique. En Belgique, il y a un roi qui n'est pas élu. Donc, ils sont restés dans la confusion. En Belgique, il y a un roi qui est élu, ici, qui n'est pas élu, qui est héréditaire, un monarque héréditaire. Ici, nous avons un président élu. Ils sont restés donc dans cette confusion-là pour continuer à perpétuer des hérésies du genre « le premier ministre n'a plus de pouvoir ». Mais on continue, vous m'avez posé la question, non? Oui, allez-y. Il préside le conseil des ministres, il a décidé de présider le conseil des ministres. Est-ce que vous avez entendu nous a convoqué un conseil des ministres? Non. C'est lui, il est le garant de l'indépendance nationale. C'est l'article 69. Le premier ministre est garant de l'indépendance nationale. Il signe article 218. Il négocie et signe les traités internationaux. Lui, le président de la République. Il nomme les ambassadeurs et les envoyés extraordinaires. Et ceux des autres pays, ils sont accrédités, même Leïla Zeroui et d'autres. Ils sont accrédités pas auprès du gouvernement. Pas auprès du Premier ministre, ils sont accrédités auprès du président de la République. On est en train de raconter quelles histoires et quelles hérésies. Est-ce que ce n'est pas suffisant pour que les gens comprennent? Et sur la continuité de l'État, gens, c'est toujours lui. C'est toujours lui. Et même lorsque vous allez parler en cas de crise préexistante, qui est mieux placé que lui pour apprécier la crise? Mais le FCC dit que... Le FCC, c'est quoi? Ne me parlez pas d'une histoire qui n'existe. Vous êtes juriste. Oui, moi je vous pose des questions. Mais le FCC, c'est un machin. Ah, c'est un machin. C'est un machin. Comme le cash. C'est comme le cash. Ce sont des machins. Il n'a pas de personnalité juridique. Et vous voyez, vous avez vu ceux qui ont signé le communiqué du FCC. Ils sont 34. Citez-moi un seul constitutionnaliste. Il n'y en a pas. Vous avez vu la liste des signataires? Si, on a vu. Ils sont 34. Et vous avez vu un seul constitutionnaliste, c'est pas mieux? Non, mais on a vu des professeurs, en tout cas. Les professeurs de marché public, ils ne se prononcent pas des questions des droits constitutionnels qui lui échappent. Et qui ne peut pas maîtriser, quand même. Je me rappelle dans une de vos tribunes, professeur, il y a longtemps, je me rappelle, quand Kabila était au pouvoir, vous avez demandé qu'on essaye de revoir cet article 69 qui donnait beaucoup plus de pouvoir au président de la République. Mais on n'a pas. Ils ne vous ont pas écouté. Non, on n'a pas. Donc, le pauvre Mulane, c'est un professeur des marchés publics. Il ne comprend rien. Je m'excuse, c'est un collègue, un jeune collègue, pour qui j'ai beaucoup de respect. Mais il sait lui-même que ce n'est pas son domaine. La preuve, c'est quoi? Le FCC, c'est un machin. Le FCC n'a pas de personnalité juridique. Et quand vous dites dans un communiqué que le FCC va saisir la justice, mais les gens s'étonnent. Parce que vous n'avez pas de personnalité juridique. Comment vous allez saisir les cours des tribunaux? Et un professeur de droit va signer un tel communiqué? Mais il faut quoi? Il faut la tolérance. Ce n'est pas son domaine. Même moi aussi, si vous m'amenez dans le cours des droits des obligations, le droit pénal, le droit fiscal, je ne suis pas très bon. Ce n'est pas mon domaine, je voudrais carrément écouter, je vais chercher un spécialiste. Le problème chez nous, c'est que tout le monde se veut constitutionnaliste. Parce que même ceux qui ne sont pas constitutionnalistes ailleurs. Parce que c'est la politique. Mais aller en Belgique, demandez-nous, aller à Bruxelles, demandez-nous quels sont les grands professeurs de droit constitutionnel en Belgique. On va vous citer le nom de la personne que vous m'avez cité. Alors, prof, revenons sur la question donc, du président. Le premier ministre. Revenons. Ouais. Parce que vous êtes parmi les constitutionnalistes congolais qui ont sur leur table. Attendez que j'ajoute toutes les constitutions. Attendez que j'ajoute une chose. Ouais. Pour le président de la République, non seulement, il faut dire, c'est la clé de vote du régime. Vous voyez, quand vous construisez une maison, c'est elle qui tient le toit de la maison, de l'État. C'est la clé de voûte. Il n'inaugure pas les chrysanthèmes. C'est lui qui soutient tous les toits de cet édifice qu'on appelle l'État. Vous comprenez? Oui. C'est lui qui est au-dessus, là-bas, comme la clé de voûte. Mais quels sont les pouvoirs que le Premier ministre a et que le Président n'a pas? Bon, mais les pouvoirs moindres. Les pouvoirs moindres. Comment voulez-vous que celui qui nomme... Est-ce que le Premier ministre peut nommer un Premier ministre? Il ne peut pas nommer un Premier ministre comme le Président ne peut pas... Oui. Il ne peut pas. Et même les gens évoquent souvent le contre-saint. Le contre-saint, votre signature, ne fait pas d'une ordonnance présidentielle l'acte du Premier ministre. Tu viens contre-signer pour dire je signe, je vais défendre. Et il faut citer d'autres articles. Il faut aller plus loin. Le président de la République, parce que c'est la clé de voûte du système, quand il prononce, lui, des adresses à la nation, est-ce qu'on discute? Notre constitution a exclu, on ne débat pas les discours présidentiels. Mais le Premier ministre, nous, je suis un député, vous m'avez présenté comme tel. On peut le faire partir par une motion de censure, par une motion de défiance. Mais le président peut le faire partir aussi par une destitution. Le président? Oui. Ce n'est pas, le président ne peut pas être destitué par l'Assemblée nationale.
D'accord, il faut un autre mécanisme. Ah, vous comprenez? Oui. Hein? Lui peut être, de, nous pouvons dissoudre demain, motion de confiance, question orale, vous l'avez vu plusieurs fois. Combien de fois vous avez vu le président être appelé? Le alors, président de la République, c'est un processus, c'est la Cour constitutionnelle. Alors, professeur, bon, maintenant, scientifiquement, pourquoi avoir attribué plus de pouvoir au président de la République au lieu d'alléger le pouvoir du président de la République au profit du gouvernement? Ça dépend du système qu'on voulait. Nous ne voulions pas un régime parlementaire. Pourquoi? À la manière des Belges ou des Américains. Pourquoi, prof? Parce que nous avions, le peuple congolais a estimé, parce qu'ici, je ne défends pas moi. Je défends le produit de tout un peuple, une oui. constitution adoptée par plus de 85% des Congolais. Oui. Ils n'ont pas voulu un président qui dort. Non. Ils n'ont pas voulu d'un président muet, qui ne fait qu'écouter, qui ne parle même pas. Oui. Ils ont voulu un président actif. Parce que vous savez, dans ce pays, on a dit non, c'est un, il est très bon à l'écoute. Non. Ils n'ont pas très bon à l'écoute. Il faut écouter, comprendre, parce qu'il y a des gens qui écoutent sans comprendre. Bon, il a des capacités, des talents d'écoute, non. Tu peux écouter sans comprendre, non. Et notre peuple a voulu, conformément à nos traditions également, un président actif. C'est pourquoi il a fait de lui le représentant de la nation. C'est ça, ce que notre peuple a voulu. Mmh. Il n'a pas voulu un chef de l'État comme, sinon on aurait voulu le raïs, il serait devenu le roi. Mais pourquoi le président... Je dois ajouter, parce qu'il y a des étudiants qui vous suivent. Vous voyez, même dans l'ordonnancement des actes, en droit administratif, vous avez l'acte du président s'appelle ordonnance présidentielle. Quand vous voyez, même quand on enseigne, même en premier graduat, l'acte du premier ministre s'appelle décret. Vous comprenez? Même les ministres aussi. Il y a des hiérarchies. Oui, mais revenons sur la question du premier ministre. Donc, l'ordonnance est supérieure. Revenons à la question du premier ministre. Je voudrais savoir, professeur, pourquoi, pour mettre fin au pouvoir du premier, aux fonctions du premier ministre, il faut préalablement une démission? Pourquoi? Écoutez, ça, j'ai également répondu dans une tribune. C'est-à-dire, il faut comprendre le droit, connaître le droit public là, dans son ensemble. Pourquoi j'ai dit que le président n'avait pas besoin de démission? L'article 78 parle d'une majorité à l'Assemblée nationale. Il n'y a pas de majorité à l'Assemblée nationale. Mais vous avez accepté, professeur. Il n'y en a pas. Il n'y en a pas. Il n'y en a pas. Et vous savez, nous sommes en droit. Même les arrêts. Une cour constitutionnelle peut revenir sur ces arrêts. Vous êtes juriste, n'est-ce pas? Oui. La cour constitutionnelle qui a rendu un arrêt. Mais nous avions des arrêts ici, par exemple. Comme l'arrêt de Bemba, la Cour peut revenir sur cet arrêt-là. Eh ben, la Cour peut revenir si elle estime qu'elle est dans le droit. Mais je cite plutôt l'arrêt de qui? L'un de nos héros nationaux, Kimbangu, qui était condamné à perpétuité. Kimbangu a été réhabilité par les cours et tribunaux. Donc, ne prenez pas toujours que nos amis ne prennent pas toujours cette habitude, mais vous avez fait ceci, vous avez fait cela. Mais même la Cour peut revenir sur son arrêt. Ce n'est pas un signe de faiblesse. Et c'est permis. Il faut que le juriste fasse comprendre cela aux non-juristes. Je parle de bons juristes comme vous. Et deuxièmement, l'ordonnance, c'est un acte administratif. L'auteur d'un acte administratif, lorsqu'il estime qu'il y a des problèmes, il peut retirer son acte. Le retrait des actes administratifs, il peut le rapporter. On vous enseigne ça en droit administratif. Expliquez ça à la population, que l'auteur d'une ordonnance peut la retirer sans problème. Prenez, quand le FCC, ce machin-là, quand il demandait au président Félix Tshisekedi de retirer les ordonnances qui nommaient le juge constitutionnel, vous avez appris ça, non? Si. Que le président retire. Mais parce qu'il savait quoi? Que le président avait le pouvoir de retirer les ordonnances, parce que c'était un acte administratif. Il avait le pouvoir de le retirer. C'est pourquoi vous avez vu une multitude de communiqués signés par tous ces gens qui font partie de ces machins. Disant non, le président doit retirer son ordonnance, retirer son ordonnance, retirer. Il savait que le président a le pouvoir de retirer son ordonnance. Alors, ok. Oui. Maintenant, le président n'a pas pu retirer cette ordonnance qui nomme le juge, parce que le président estimait que ces ordonnances étaient signées conformément à la Constitution. Mais lorsque le président se rend compte que vous m'avez demandé de retirer mes ordonnances, mais s'il retire l'ordonnance qui nommait votre premier ministre, alors il aura fait un choix. Il aura fait un choix. Il vous aura même suivi, non? Oui. Vous me demandez de retirer mes ordonnances nommant le juge constitutionnel. Non, ça, je ne peux pas retirer. J'ai vérifié, c'est conforme à la Constitution. Mais
Mais l'ordonnance qui nommait votre premier ministre, je la regarde aussi, non? Je constate qu'il n'y a pas de majorité, je la retire. C'est simple. C'est ça le droit. Il peut retirer son acte. Oui. Ce qu'il ne va pas faire, il n'y aura pas... C'est-à-dire, il faut apprendre le droit constitutionnel. Il y a des écoles, des droits constitutionnels qu'on appelle le droit constitutionnel approfondi. Lorsque vous avez... Si vous avez étudié le droit constitutionnel élémentaire, ayez des réserves. Il y a un cours qu'on appelle droit constitutionnel approfondi. Alors, je dis ceci, le président Félix Tshisekedi, chef de l'État, ne prendra, vous n'entendez jamais une ordonnance du pré-présidentiel révoquant le premier ministre Ilunga Ilunkamba. Il n'y en aura pas. Ils perdent leur temps pour rien. Mais ils disent, le président ne peut pas révoquer. Mais c'est vrai. Il n'y aura pas d'ordonnance portant révocation du premier ministre. Ça s'appellera quoi alors, l'ordonnance? Vous la verrez lorsqu'il sera. Donc, vous qui êtes dans le secret de Dieu. Je ne suis pas dans le secret, je suis constitutionnaliste. Et vous voyez qu'il peut rapporter son ordonnance. Alors, est-ce qu'on va dire rapporter ou retirer? On va vous le dire le moment au pote. Il peut rapporter. Il peut donc. Vous voulez qu'il retire. Vous lui reconnaissez le droit de retirer l'ordonnance qui nomme les juges, n'est-ce pas? Oui, bien sûr. Vous le reconnaissez ce droit. Oui, on lui reconnaît ce droit. Ok. C'est une ordonnance aussi. L'ordonnance qui nomme le premier ministre. C'est aussi une ordonnance. Bon, nous retirons celle-là parce qu'il n'y a pas de majorité. Mais c'est simple. Et puis vous allez dire que le président ne vous a pas écouté. Il a examiné pour les deux juges, c'est conforme à la Constitution. Sur proposition du Conseil supérieur de la magistrature, c'est conforme. Mais pour la... l'ordonnance, je vous écoute. Voilà un président qui écoute. Mais le père président, ok, vous m'avez demandé, je vous écoute. Je retire l'ordonnance, je ne le révoque pas. Je retire tout simplement l'ordonnance, l'arbre sur lequel il était perché. Et vous voyez, quand un cochon est par hasard monté sur un arbre, c'est difficile pour un cochon de monter sur un arbre. Mais si par hasard il monte. Mais imaginez un cochon qui monte par hasard, on ne sait comment il arrive sur une branche d'un arbre, et on coupe l'arbre. Lui qui ne peut même pas voler. Il tombe, ça va de soi. Alors, mais le. Non, je dis ceci, écoutez, le premier ministre Ilunga Ilunkamba, avec tout le respect, c'était un collègue professeur ordinaire. Et respect pour. C'est mon aîné, en âge et puis aussi scientifiquement dans les grades. Ce n'est pas tard, même aujourd'hui, il peut démissionner. Il faut éviter les ridicules. Parce que l'avenir de ce premier ministre, c'est terminé avec lui. Est-ce que vous nous rassurez? Il ne reviendra ici, pas. Est-ce que vous nous confirmez, professeur, parce qu'on va passer à la question suivante. Est-ce que vous nous confirmez que le président de la République peut rapporter l'ordonnance nommant le premier ministre sans violer aucune disposition constitutionnelle? Mais c'est le droit qui le lui permet. Très bien. Le droit qui le lui permet. Alors. Et je l'ai dit à plusieurs reprises. Et donc. C'est que je peux dire ceci. Et ils attendent une ordonnance portant révocation. Il n'y en aura pas. Le président constate tout simplement que l'ordonnance qu'il nommait, par exemple, Ilunga, c'était prise sur base de ce qu'on appelle, c'est comme celui qui est disparu avec paix à son âme, c'est le professeur Kamoukou Niambroise, dont j'ai été co-directeur de la thèse, l'ancien gouverneur du Kassai Central, donc j'étais co-directeur de sa thèse. Il a écrit une thèse intéressante, la fraude à la Constitution. C'est une ordonnance basée sur la fraude. Parce qu'il n'y avait pas de majorité. Et aujourd'hui, vous avez vu, il y a des pétitionnaires, on doit aller à l'Assemblée. Il n'y a pas de majorité. Et donc, la fraude corrompt tout. C'était une fraude, ce n'était pas vrai. Le président se rend compte, il peut rapporter. Et d'ailleurs, l'ordonnance qui va nommer les autres. Elle va vous dire, vous connaissez la disposition habituelle. Toutes les dispositions antérieures contraires à la présente ordonnance sont abrogées. Prof. Donc ça, une telle disposition, elle est classique, non? Ok. Vous, ils en auront toutes les dispositions légal, contraire à la présidence, sont abrogés. Alors, s'il y a un informateur, est-ce qu'on peut trouver... Pas s'il y a un informateur. Le président de la République, Félix Tshisekedi, l'a annoncé. Il va nommer un informateur. Quand il y aura un informateur et le Premier ministre, est-ce qu'un informateur déroge la présence d'un informateur, déroge la présence d'un Premier ministre? Comme nous fait comprendre le prof Kabamba, Mouzito, les autres. Mouzito n'est pas, c'est un financier qui s'occupe des finances, je n'entre pas là-dedans, oui. Qui s'occupe de ces... Là où il peut avoir une certaine maîtrise en finances publiques, et encore faut-il que même en finances publiques, il faut aller plus loin. Il faut un diplôme d'études approfondies en droit, en économie. Il faut aller vers le doctorat, ce n'est pas, c'est un licencié. Alors, vous nous attaquez tous les licenciés. Non, je vous invite, quand vous prononcez sur certaines matières, c'est pourquoi vous ferez le doctorat. Merci, prof. Oui, je vous invite, l'école est ouverte. Vous ferez le doctorat, vous le ferez bien.
Vous voulez approfondir, allez approfondir vos connaissances, tout simplement. Parce qu'il y a des gens qui ont fait l'économie, hein, qui sont en DA là-bas. Le prof Mabimounouba qui est professeur, qui est docteur. Le prof Mabimounouba, ils sont là, les Emile Ngoy, ils sont là, la faculté est ouverte. Mais alors, et entre nous, Christian, si l'un de nos amis s'arrête, il est seulement gradué, vous êtes licencié à ce stade, demain vous serez, vous aurez un DA, un master ou un doctorat. Je serai professeur de constitution comme vous. Oui, professeur comme moi, c'est tout ce que je souhaite. C'est pourquoi je viens toujours à vos émissions. Et ça doit vous inspirer. Oui, oui, oui. Mais beaucoup. Vous allez refuser de dire beaucoup. Que celui-ci n'a qu'un graduat. C'est quand même simple. Alors, prof, si quelqu'un n'a qu'un diplôme d'État, vous allez me dire, moi je minimise ceux qui ont fait les diplômes d'État. Non, pas du tout. Je les encourage. Le professeur Mouzito peut mieux faire et pour maîtriser ces choses-là. Nous sommes dans la question, pour terminer cette première partie. Professeur de informateur et gouvernement chose. Ou informateur au Premier ministre. Les gens ont la mémoire courte oui, ici. Oui. Mais il y a beaucoup de devis ici. Quand Koya Diallo, originaire de l'Équateur, vous pouvez mieux le connaître. Oui. C'est beaucoup là. Quand Koya Diallo est nommé informateur par l'ancien président, est-ce qu'il n'y avait pas de Premier ministre? Mais vous dites que c'est une erreur. C'est la Constitution. Ah, donc c'était normal, c'était pas inconstitutionnel. C'est pour vous dire que le président peut nommer un informateur. Même quand le gouvernement est en place, même quand le premier ministre est en place. Il le peut, mais on l'interdit pas. Lorsque vous estimez que la majorité n'est pas là, vous avez lu l'article 78. Que ceux qui sont à la maison lisent l'article 78 ou 78, comme disent nos amis les Belges. Est-ce que cette constitution a donné au président un temps précis où il peut donner un informateur? Je vous dis non. Donc, ce qui n'est pas interdit... Mais les gens ont été reconstitutionnés. Il y a une constitution à la ferme, il y a une constitution dans les hôtels. Si vous êtes en Belgique, où notre professeur belge est venu, lisez cet article 78 et demandez-lui où est-ce que la constitution a interdit, quel est le temps que la constitution apprécie pour que le président nomme ou qu'il ne nomme pas un informateur, qui vous réponde là où vous êtes à Bruxelles ou à Liège. Est-ce que dans notre constitution, on délimite les fonctions d'un président, comme par exemple, avant de nommer un informateur, il faut faire ceci, cela, vous qui lisez beaucoup de constitutions? Non, mais non! Non! Très bien. Ce qui se passe, le président, non. Mais le roi, oui, le roi des Belges. Oui. C'est ça le roi des Belges est dans une situation différente parce qu'il n'est pas élu. C'est un monarque. Ici, je parle d'un président élu. Ouais. C'est la confusion, vous savez, quand vous prenez l'avion, vous venez d'une monarchie, et vous, votre crédibilité, vous la faites au Congo. C'est là que vous devenez un grand constitutionnaliste, alors que quand on est en Belgique, et on rencontre des collègues belges constitutionnalistes, je ne vous vois pas. Très bien. Bon, parlons maintenant, parlons autre chose. Il y a la question... Parlons de l'informateur, oui. Donc il y a beaucoup de choses. Il y a même plusieurs... Est-ce que vous savez même que quand on a nommé Ilunga Ilunkamba, Tshibala n'avait pas encore démissionné? Vous nous révélez, les gens fassent un peu de recherche. Bon, allons maintenant. L'informateur, voilà ce qui peut se passer. Je ne suis pas le président de la République, je ne suis même pas son conseiller. Oui, on avait un premier ministre sortant et un autre entrant. Ça, on a vu ça, oui. Est-ce qu'il avait déjà démissionné? Bon, je laisse. Lorsque Sami Badibanga est devenu premier ministre, qu'est-ce qui existait avant? Les gens ne peuvent pas faire un peu de calcul quand même. Voilà, l'occasion nous donne maintenant que les gens, ce droit constitutionnel, soit connu partout. Que les gens ne fassent pas un peu de calcul. Lorsque Sami Badibanga est venu, quel était le sort du premier ministre entrant? Ouais. Nommé par Joseph Kabila. Est-ce qu'il avait déjà démissionné? Point d'interrogation. Faites un petit travail chez vous à la maison si vous savez lire la constitution, parce que c'est difficile. Vous pouvez la lire, ne pas la comprendre. Et lorsque Ilunga Ilunkamba est nommé, le jour où il est nommé, est-ce que Bruno Tshibala a déjà déposé sa démission? Faites vos petites recherches. Bon, je reviens sur l'informateur. On va terminer, oui. On va terminer. Oui. Cet informateur, il va identifier une coalition. Parce qu'il n'y a pas de majorité. Aucun parti n'a la majorité. Allez-y tout de suite au palais du peuple. Aucun parti n'a la majorité. D'ailleurs, ceux qui ont fait une pétition, on pouvait avoir le temps d'en débattre aussi. Oui. Contre le bureau Mabunda, ils sont plus de 250. Ce qui montre qu'il n'y a pas de majorité là-dedans. Bon, et puis, le communiqué venant de ce machin qu'on appelle le FCC. Mais ils vous disent, nous voulons la cohabitation. Mais on se moque de qui? Pourquoi? Mais pourquoi vous n'allez pas à la cohabitation? Mais ils disent qu'il faut aller à la cohabitation. Non, mais comment vous allez faire combien de communiqués pour aller à la cohabitation? C'est depuis. Mais c'est pourquoi ils demandent au ministre de cash de démissionner. Pourquoi? Vous savez pourquoi ils ne veulent pas aller à la cohabitation? Ils ne font qu'au crier lorsqu'ils vont dans des fermes ou bien dans des loges. Pourquoi? Parce qu'ils savent qu'ils n'ont pas la majorité.
Ils savent eux-mêmes en âme et conscience qu'aucun parti n'a la majorité. Mais ils ont dit qu'ils sont 338. Ils ne sont pas, le FCC n'existe pas, c'est un machin. Ben, ils disent leur parti, les partis qui composent, leur groupement. Les signataires de la pétition dont nous parlons, vous avez combien? Une trentaine, je crois même une quarantaine de signataires du PPRD. Vous parlez de quel PPRD? Le FCC. Allez, prenez la pétition, vous ne l'avez pas encore, vous l'aurez. Oui. Les signataires de pétition, ils sont combien? Mais n'attendez pas de crier tout à l'heure, parce que dans peu de temps, vous risquez d'être déchanté. Vous allez peut-être déchanter. Non, ce n'est pas crier ici, c'est pour dire qu'il y a une motion. Peu importe l'issue de la motion, de la pétition. Pour moi, ça ne me dit rien. Mais la pétition a été signée par, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de majorité. Vous comprenez? Oui. Oui, c'est ça ce qui importe. S'il n'y a pas de majorité, sur quoi s'est fondé le FCC Cash? Parce que le FCC Cash qui est revenu dans l'ordonnance nommant le Premier ministre. Nommant l'ordonnance? Oui, oui, vu la majorité, FCC Cash et non, tout. Non, là, il faut dire que c'était une erreur. Oui, mais que vous avez laissé passer. C'était une erreur. Et puis, vous savez, nous autres, quand ils débattaient là, on pouvait au moins croire à qui? Le Cash avait son représentant. Ça fait pas de passer. Mais la personne la plus habilitée en droit à représenter le FCC, c'est le professeur Mouilagna. Lui est docteur en droit. Lui est professeur en droit. Moi, je n'étais pas là. C'est sa signature qui est allée dire au président, nous avons la majorité. Et le président, à l'époque, mais le président se tourne. De qui signe le communiqué? Évidemment, il y a Kabour d'un côté. Bon, mais il y a Mouilagna, professeur de droit public, ancien directeur de cabinet de Joseph Kabila. Il pouvait lui faire confiance. Donc le président était induit en erreur. Il était induit en erreur. Et ça ne sert à, le président était induit en erreur. Et la présence de Mouilagna a beaucoup joué parce que c'était lui qui devait dire qu'il n'y a pas de majorité. Mais il a trompé. Il ne pouvait même pas dire au président que l'FCC le cache. N'ont pas de personnalité juridique. Bon, je vous l'ai toujours dit. Ils ne pouvaient même pas le dire au président de la République. Bah alors, c'est vrai qu'on est arrivé là-bas. Alors, professeur, on va parler. Sur le régime premier ministre, dire un dernier mot. Oui, un dernier mot pour passer à autre chose. Mais mon collègue professeur qui dit que le président a moins de pouvoir que le premier ministre, il était directeur de cabinet du président de la République. Il était directeur de cabinet du président Joseph Kabila. Est-ce qu'il peut regarder la nation dire, quand moi j'étais directeur de cabinet, le président de la République avait moins de pouvoir que le Premier ministre? Parce qu'il était directeur de cabinet, il était témoin. Le président qui retire la signature au Premier ministre Mouzito pour dépenses inimaginables, et qui retient le cabinet, au lieu de signer, c'était un communiqué du professeur Mouilagna, directeur de cabinet, on retire la signature, le président, sur ordre de la haute autorité. Vous allez me dire que ce président-là, qui agissait d'ailleurs, c'était illégal, hein? Il avait moins de pouvoir. Mais, bon, revenons. Et si Félix Tshisekedi le fait aujourd'hui, en retirant la signature de Ilou Kamba, vous allez dire que c'est illégal ou vous allez vous taire, vous n'allez pas dire un mot parce que c'est votre président? La question, vous dites? Si aujourd'hui, le président de la République retire la signature à M. Ilou Kamba, est-ce que vous allez dire que c'est illégal ou vous allez vous taire parce que c'est votre président? Ilou Kamba, dans les heures qui viennent, d'abord, dans les heures qui viennent, il ne sera plus. Il ne peut plus engager. Lorsque le président nomme un informateur, ses pouvoirs sont limités. J'ai envie de savoir comment il va partir. Il va partir. Vous verrez l'ordonnance qui va lui dire. Ah, d'accord. Oui. Okay. Et dès que vous avez une ordonnance qui vous dit toutes les dispositions antérieures, contraires, sont abrogées, ça va inclure l'ordonnance qu'il avait nommée. Vous, quand vous prophétisez, j'y crois parce que vous comprenez. Lorsque vous entendrez une ordonnance portant un informateur au Premier ministre qui vous dit toutes les dispositions antérieures, contraires, sont abrogés, ce sera inclus l'ordonnance qui aura nommé Ilunga Ilunkamba. Ah, donc vous donnez raison au professeur Kabamba, qu'il ne peut pas y avoir l'informateur et le premier ministre en même temps. Il faut que l'un laisse la place à l'autre. Mais ça, non, Kabamba n'a pas dit ça. Mais Kabamba dit qu'on ne peut pas nommer l'informateur pendant que le gouvernement est là. Non. 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 Mais c'est ce qu'il a dit. C'est-à-dire, il a dit qu'on ne peut pas nommer un informateur quand le Premier ministre est là. C'est ce qu'il a dit. J'ai répondu à cela en disant ou en reprenant, parce qu'il ne faut pas amener les téléspectateurs en confusion. Oui. J'ai dit que le président peut nommer celui qui apprécie de la nomination de l'informateur quand il n'y a pas majorité. On est d'accord. Et la Constitution ne lui dit pas à quel moment tu peux nommer un informateur. Ça, on est d'accord. C'est ça, on est d'accord. Alors, comment les autres hérésies dans lesquelles le pauvre Kabamba n'aime pas, vous donnez raison. Je vais donner raison à qui? Alors, comment l'ordonnance. À Kabamba sur quoi? Comment l'ordonnance nommant l'informateur inclurait l'annulation de l'ordonnance nommant le Premier ministre? Moi, je vous dis ceci.
quand on dira, c'est moi qui explique comme doctrinaire. Oui, on n'inclura pas cette ordonnance-là. D'abord, c'est moi qui réfléchis, je ne suis pas conseil du président. Vous comprenez, c'est moi qui parle. C'est le professeur de droit constitutionnel congolais qui parle dans la plus grande université du pays qui parle. Ok, on comprend. J'ai dit qu'il y aura seulement une disposition. Toutes les dispositions antérieures, contraires, sont abrogées, point. C'est moi qui commande en disant. Vous m'avez compris. Je comprends maintenant. Mais oui, c'est pas forcément l'ordonnance, c'est pas forcément l'ordonnance de l'informateur. Oui, je dis toutes les dispositions antérieures, contraires. Si la disposition que vous avez nommée, Christian, ministre, est contraire, elle est abrogée. On a compris. Vous avez compris. On a compris. Revenons maintenant. Mmh. Dès qu'un informateur est là, il identifie la majorité. Il vient, il fera rapport au président, le plus que j'ai trouvé une majorité. Ok. Et le président, tu as trouvé une majorité. Ok, je te nomme, toi, l'informateur, tu deviens en même temps premier ministre. C'est possible? Oui, c'est possible. Ah, d'accord. L'informateur peut devenir premier ministre. Ah, d'accord. Tout comme il peut, non, tu étais informateur, merci beaucoup, tu as rendu un bon service. Non, je nomme le professeur André Mbata premier ministre. Donc, c'est possible. C'est que beaucoup de gens ont souhaité quand même. Je nomme le professeur André Mbata premier ministre. Oui. Je présente mon cabinet, je fais la liste, je prends les personnes les plus compétentes, pas tous ces corrompus, tous ces farfelus, tous ces tambourinaires ou des turiféraires. Mon gouvernement, j'enlève tous les turiféraires, tous les incompétents, tous les détourneurs de biens publics. Tous ceux qui placent d'abord le peuple, d'abord. Je reviens chez le président de la République. Excellence, monsieur le président Félix Tshisekedi, voici mon gouvernement. Il signe l'ordonnance qui me nomme premier ministre. Est-ce qu'il peut enlever des noms lui aussi? Les? Il peut enlever des noms et remplacer des noms? C'est-à-dire quoi? Quand vous amenez votre liste de votre gouvernement, est-ce que le président peut dire, lui je le veux, lui je ne veux pas? Je discute ici, par hasard, je me suis rendu compte qu'il y a un tambourinaire détourné des biens publics, que par hasard je me suis trompé, je croyais qu'il était... Les services démontrent que c'est un voleur. Le président peut dire enlever celui-là. Ah, d'accord. Ok. Ok. Et puis quand il nomme, quand il signe. Quand il signe, ouais. Je reviens maintenant parce que le gouvernement, pour entrer en vigueur, en fonction, il doit être investi par l'Assemblée nationale. D'accord. Je reviens à l'Assemblée nationale, le pauvre Mbata premier ministre, je présente mon gouvernement. Vous devez l'investir. Mm. Supposons que vous dites non, le pauvre Mbata, nous ne l'aimons pas. Mm. Parce qu'il est direct, parce qu'il est objectif, nous ne l'aimons pas. Et vous refusez mon cabinet. Je rentre chez le président. Le président dit, mais le pauvre Mbata, c'est le premier ministre qu'il nous faut. Rentrez à l'Assemblée nationale. Quand je rentre, si le président me redonne confiance, je rentre, je vous dis, monsieur, je suis revenu, mais attention. Carton rouge. Si vous refusez d'investir mon gouvernement, je n'ai pas la majorité, l'Union sacrée de la nation. Nous entrons dans l'article 148. Le conflit devient entre moi, le gouvernement, et vous. Et c'est pas on résistant. Va vous dissoudre. Mmh. Vous serez obligé de m'investir. Mmh. Sinon, on vous dissoudre. Et sur l'article 148, on vous dissout. C'est pourquoi il faut une union sacrée de la nation. C'est cette union sacrée, les pétitionnaires là, qui vont sauver l'Assemblée nationale. L'épée de Damoclès trône. Et j'aurais même souhaité, pourquoi vous ne faites pas le lobbying? On nomme le professeur André Mbata. Parce que j'irai une fois, supposons il refuse, je reviens. Si le président Félix Tshisekedi me refait confiance, je rentre, je vous avertis à l'avance. Chers amis, je reviens avec mon gouvernement, mais attention. Vous êtes prêts à aller dans le chômage pendant 3 ans. Hein? Mm. Vous savez qu'à l'Assemblée nationale, combien de députés du FCC sont prêts à aller au chômage pendant 3 ans? Il y a le député du PPRD, le chef du regroupement, il a dit qu'ils n'ont pas peur du chômage, ils n'ont pas peur de la dissolution, ils attendent ça. C'est lui, mais je dois distinguer même le PPRD, parce que les signataires de la pétition, il y a au moins 30 personnes du PPRD. Je voudrais qu'on parle aussi de la pétition. Parce qu'ils sont là avec nous. Alors, donc, du moins, les caciques, là, je reviens. Donc, ce sont ces pétitionnaires qui sauvent l'Assemblée nationale. On revient sur la question des pétitionnaires. Mais il y a une question, d'abord, pour faire tout, pour faire court. Ouais. C'est la question de Leïla Serou, Zizou, Serou, Guy, tout ça. Elle a été saisie par la présidente de l'Assemblée nationale pour l'aider à être rétablie. Et Madame Leïla a demandé même, d'une manière, on va dire ça comme ça, subtile, au président Félix Tshisekedi de se rencontrer avec Kabila afin d'aplanir les divergences. Quel est votre... De quel droit? Ben, qui donne à Madame Leïla Zeroui? Qui lui donne le pouvoir de s'adresser comme ça à un chef d'État? Ce n'est pas possible. Je vous ai dit l'article 2, les ambassadeurs, les envoyés spéciaux ou les chefs de mission, ils sont accrédités. C'est le président qui les a accrédités. Non! Mais qu'est-ce que le président doit faire maintenant? Il ne peut pas. Mais elle a fait, malheureusement. Non. Elle a reçu Mme Mabunda. D'abord, une chose, d'abord, il faut voir comment nos amis du FCC sont contradictoires. Mais vous aviez demandé le départ de la MONUSCO, non?
N'est-ce pas eux? Plusieurs fois d'ailleurs. Plusieurs fois, non, c'est l'intrusion. Les puissances étrangères chez nous. Et ils sont les premiers à aller se réfugier chez les Lazerus. Non. Mais même... Ce qu'il faut dire à madame, c'est que ceci, c'est une... C'est indélicat en droit diplomatique. Nous ne sommes pas l'Algérie. Nous ne sommes pas l'Algérie. Et même l'Algérie encore. Donc, elle est représentante du secrétaire général des Nations Unies. Elle sait qu'elle a le droit de réserve. Elle ne peut pas se permettre n'importe quoi. Elle ne peut pas s'adresser des choses au chef de l'État. Non. Elle dit qu'elle a besoin que l'ONU intervienne parce que la crise, elle est grande. Elle ne peut même pas demander que l'ONU intervienne. C'est le Conseil de sécurité. Vous savez, quand le Conseil de sécurité siège là-bas, nous avons un ambassadeur qui siège au Conseil de sécurité. Kabiliste ou fasciste? Qui? Un ambassadeur. Les ambassadeurs n'ont pas de couleur. Ils représentent la nation. En principe. Donc, ce que dit Mme Zerouil, rencontrer Kabila. Maintenant, il peut le rencontrer parce que l'ancien président devait voyager. Les gens ont raconté beaucoup de choses. Mais il devait d'abord suivre le discours du président de la République. C'est pourquoi on l'a demandé de rester. Et il pouvait rester. C'est un citoyen comme les autres. Nous sommes des députés. Il est sénateur. Il devait d'abord suivre le discours du président de la République. Et puis le voyage, ce n'est pas aussi facile. Les gens racontent n'importe quoi. Avant de voyager, il faut faire un test de coronavirus. Est-ce que vous êtes sûr que l'ancien président, notre sénateur avait fait le test de coronavirus, le test. Tout le monde est obligé. Ça, c'est une deuxième raison. Troisième raison, l'insécurité qui est là-bas, nous avons aussi le devoir de protéger l'ancien président. Pour des raisons de sécurité, de santé, tout ça. Nous avons le devoir de protéger l'ancien... Écoutez, l'ancien président, parce que nos amis de FCC ne comprennent rien. Joseph Kabila n'appartient pas au PPRD. C'est le peuple qui a fait de lui sénateur à vie. Il fait partie de notre patrimoine commun. Cessez de vous approprier Joseph Kabila. Il appartient au passé. C'est notre ancien sénateur. Si vous n'avez pas un autre candidat, à Kozonga où? À Kozonga quand? À Kozonga Mbuka, oui. Mourir? Ressusciter le troisième jour? À Kozonga, sous une nouvelle identité? Bah, lui qui va dans le mécanisme, à Kozonga, ça y est. Mourir, ressusciter le troisième jour? Il y a un mécanisme à renoncer. Il y a qu'on ressuscité Bato Bazonga. Alors qu'il a renoncé à la statue d'un ancien président. Donc il oublie, ce sont des revers. Ce que vous avez un candidat de soutenir Félix Tshisekedi, président de la République. Très bien. Alors, tout ceci, c'est Mbale Ila. Professeur Yebisabiso, dans l'Assemblée nationale, qu'est-ce qui se passe exactement là? Qu'est-ce qui se passe? Il y a une pétition contre tous les membres du bureau en vertu de l'article 25 qui est un règlement intérieur. Qu'est-ce qui se passe? On a, c'est de la délinquance au Congo. Un président de l'Assemblée nationale, une présidente, qui ferme tous les bureaux cadenassés pour qu'on ne vienne pas lui déposer un courrier. Comment c'est pas possible? Comment c'est possible ça? Mais on a, même les toilettes, on avait fermé. Mais avoir peur de quoi? Si vous avez la majorité, mon cher ami Christian, nous avons la majorité, non? Comme ils disent. Mais pour recevoir seulement le courrier, ça devient un problème. Il dit, vous ne l'avez pas fait dans le temps. Vous voyez qu'il a retard. Quel retard? Quel retard? Son bureau est là-bas. Pourquoi cadenasser le bureau? Ce que tu viens d'arrêter au cadenassé bureau. Entre la présidente de l'Assemblée nationale, la secrétaire générale d'administration, Nanyaza Mukundia, personnel administratif. Mais vous avez la réponse, non? Qui est le chef de l'administration? Na Congo est dans le secrétaire général. C'est le secrétaire général. Le point a une contradiction au modèle entre secrétaire général na présidente de l'Assemblée nationale. Quelle contradiction? Premier vice-président de l'Assemblée, deuxième vice-président de l'Assemblée nationale, à lobby, va interdire toutes les plénières. Mais secrétaire général lobby, voilà ce qui se passe. Oui, dites-moi. Madame Abunda a peur de partir. Mais pourquoi vous ne démissionnez pas? D'abord, Madame Abunda n'a jamais fait un rapport financier de l'Assemblée nationale. Même si l'affaire de Pouella, le nombre de Pouella n'est pas allé jusqu'au bout, comment vous dépensez l'argent de l'Assemblée nationale? Vous dépensez l'argent de l'Assemblée nationale comme si c'était le PPRD? Qu'est-ce que vous lui reprochez? Lui? Oui. Faute grave et incompétence. Les deux à la fois, à tous les membres du bureau. Ils ont commis des fautes graves et puis ils sont totalement incompétents. Faute grave, même aujourd'hui, vous fermez tous les bureaux cadenassés, les bureaux de l'État. L'Assemblée nationale, le palais du peuple ne vous appartient pas. Cadenassez, s'il vous plaît, pour que les agents ne viennent pas. Donnez les ordres aux administratifs pour qu'ils ne viennent pas. Des ordres manifestement illégaux. Mais qu'ils ont été obéis, malheureusement. Malheureusement, ils ne devaient pas obéir. Donc maintenant, il y a une pétition contre tous les bureaux. Dans le cas d'espèce, d'après l'article 31, il y a une plénière qui doit être présidée par le doyen d'âge, assisté par le deux moins âgés. Que le président a reçu.
que le président a reçu. Et puis le président dit, vous avez... Absolument, parce que c'est conforme... Mais pourquoi le président peut congratuler des membres de l'Assemblée nationale? A-t-il violé la séparation de pouvoir? Non, il n'y a aucune violation. Il y a le rapport, c'est lui le chef de l'État. Il assure par son arbitrage. C'est vous qui avez lu l'article, oui. Non? Alors, des personnes ont été désignées conformément au règlement intérieur. Il est le garant du respect de la Constitution et des lois de la République. Ils ont été élus sur base conformément au règlement intérieur. Le président ne peut que les féliciter. Bon. Alors, dans ces conditions, c'est le doyen qui préside, assisté par les moins âgés. Mais c'est eux, parce que vous ne pouvez pas convoquer, la plénière devait être convoquée par Mme Mbouna. Mais en droit élémentaire, vous ne pouvez pas être juge de parti. Vous ne pouvez pas être juge de parti. Je voudrais tout le monde placer dans la lingala pour que vous compreniez. Prof, dans le biboué. Mme Mbouna, à Bengi, plénière et Salem. Secrétaire général, pas Bengi, à Etournaé. Pour le plénier et Salima, il y a bureau d'âge. Il y a bisabi sur Nanya Tosi Mobeko et Nanya Blongo na Mobeko. Bon, awa, secrétaire général Azaki déjà notifié. Ok. Azaki déjà notifié que honorable Mbouna a si azui pétition contre yé. Bah, membre du bureau n'y so, bah, si bazui ba pétition na bango. Bah, zali mise en cause. C'est comme si na justice, ce que vous allez aux autres sepelana juge te, au coup, qu'on récusé yé. Ce qu'on aurait accusé, il y a quoi les sous-outés? Vous allez comprendre? Secrétaire général lundi, Azali a informé que Bango n'y a sur Bazali, pétition contre Nabango. Et il faut plénière et ça, la mana, doyen d'âge. Alors, secrétaire général, beaucoup de doyen d'âge d'Engenine. Secrétaire général a invité ma député Koboya, Nakula Kisabino, ma dossier, et Songolo Azali né en 1920, il y a des Mokolo Nabino Nyons. Tel. Et Christian Bosembe, il est né en 1998, c'est le plus jeune. Tel autre, Odette ou je ne sais qui, il est né en 1997, c'est la femme la plus jeune. À la Kisibino Badossier Wana, il ne préside pas. A invité Bino, Tala dossier na Zakanango na Assemblée nationale, Mokolo nde Oyo. Moi na Mokeye Oyo. Bangonde Tikonde Bazo Kamba, conformément à la Constitution. Il y a Zako présidé. Tiko Bakosala Nini, bureau Wana. Moussala na Bangoza Nini. Moussala na Bangoza le Kola Lelo. Le collab honorable Mbouna basu pétition à Bango, bakotanga pétition, basale contre Bino Bosa la faute grave, Bosa de bote tourner la casse au Kimbongo à l'Assemblée nationale, Bosali incompétent, Bosa Bosa la Moussalate. Et puis, honorable Mbouna pe, na membre du bureau se basu notification. On doit leur donner l'occasion de se défendre. Bakoya ba se défendre, non, ga bakosa nga makambo. Nga na ibamba ya Assemblée. Bango Bosa la ngoto Bango Moko. Te Bango Moko. Ah d'accord. Bango Moko. Voilà ce que nous avocat bah, 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 pour défendre défendre Nabango. Bah, se défendre après on a toqué un vote. Ceux qui votent est coqui. Vous avez la majorité. Batumingi balingi honorable Mbouna mais atikali. Voilà ce que vous avez dit. Vous avez dit ma pétitionnaire. Non, on a fait le droit. C'est ça le droit. On a agi conformément au droit. Puis vous allez être démocrate. Alors, si et puis Bango, par exemple, au lieu de Kobimisa Mbouna. C'est que vous avez la majorité. Mais vous gagnez, non? Et d'ailleurs, dans l'Ebzaboué, bureau n'y a pas de bureau provisoire. Et d'ailleurs, il y a un FCC. Oui, bureau n'y a pas de FCC. Oui. Et pourquoi avoir peur? Non, non, c'est le jeu démocratique. Est-ce que vous avez une influence si vous changez ma Mme Mbouna? Non. Mais c'est bureau. Mais c'est un bureau. Parce que vous avez un peu peur de FCC. Bureau, écoute, il y a un peu. Mais ce que vous avez la majorité. Bon, il y a un nous, vous avez parlé du peuple, le temple de la démocratie. Hein? Ce que vous avez la majorité, vous avez la alors, est-ce que vous avez la Mokomoko Gosamba? Mokomoko Gosamba, c'est cas par cas. Donc, vous avez l'honorable Mbouna, vous avez l'honorable compétent, ou bien vous avez l'honorable Malam, ou bien ceux qui vous votez étaient à quoi? Ceux qui vous avez été à quoi? Bon, ceux qui vous avez voté, si ma peut-être tant que c'est de faire la ok, bon, ceux qui, par exemple, Nakati Nabango, vous avez voté à Kolongo, vous avez voté à Tikali? Batikali. Donc, tant qu'élection, ça, il y a un bureau et l'on voit. Oh, oui, bah, membre, bureau. Alors, Mamana Mbouna, à quoi maintenant, après voilà. Mais elle est députée nationale, non? À son guinée, elle a abandonné ce bâtiment. Mais honorable Kabunda, elle a aucun d'autre. Non, il n'y a pas besoin. Est-ce qu'il a postulé la candidature? Il a postulé sous sous? Non. Ce qui est, par exemple, beaucoup ici. Mais il est. À quoi postulé sous Mme Mbouna? Madame Mbouna? À quoi qui? Ah, donc, attends, pourquoi ça va postulé sous sous? Bon. À quoi qui a postulé sous la monnaie à sa populaire? Donc. Et à quoi banque égalité? C'était un peu de la boule de pas à quoi postuler le sous. À quoi qui? Dans le même poste, ou bien le poste de président. Attends, le poste de Moussous.
La loi, le règlement ne l'interdit pas. Il n'y a pas de postuler. Hein? Il n'y a pas de postuler. Bon, ça va dépendre. Ce que Bolingina a premier ministre, c'est à côté qu'à premier ministre. Mais je peux aussi postuler. Moi aussi, je peux. Ce que mon CPL, n'a pas de postuler. Le roi président de l'Assemblée nationale. Oui. Mais est-ce que c'est à côté il dépêche tout à côté il y a ils allaient contacter ah ouais comme union sacrée ils allaient individuel ah d'accord ouais ils allaient individuel ce qui n'a ni union sacrée majorité coalition assez et soutenir les gars n'a comme président de l'Assemblée nationale Nasseli Makambo je ne vais jamais fermer les bureaux je ne vais jamais détourner l'argent de l'Assemblée nationale ou bien l'utiliser pour mon parti parce que vous serez transparent vous serez transparent je serai transparent. Je ne vais jamais fermer les toilettes lorsque vous voulez me faire partir. Je vais améliorer vos conditions. Je vais être à l'écoute du peuple. Yo, voilà, t'es loco, bah, y a Félix, c'est ce qu'il dit. Ah, ouais. Madame Abunda, la taka, y a Kabila. Yo, voilà, t'en. Tu ne peux pas être dans l'Assemblée. Bon, au coup, on a de temps aux obéma, mais tant aux Alekouna, tu n'as pas de parti. D'accord. Tu n'as pas de parti. Et puis, tu travailles avec des conseils, avec le président de la République, parce qu'il y a un des chefs de l'État. Tu ne peux pas faire un bras de fer avec un chef de l'État. Ce n'est pas un bourgmestre. Hein? Ce n'est pas un chef de localité. Un président élu dans notre système ici, tu ne peux pas faire un bras de fer au Nako démissionné. Professeur Ilunga Ilunkamba, Alandabato, Anabayebi Constitution, te. Ce que moi, Nako démissionné, Toza Mokolo, Mikolo Pezo, Poussana, il faut toter qu'un histoire exemple, là, bien, le coup, la Balunda Bouloulou. Il avait le courage de démissionner. L'histoire a retenu que c'était un homme courageux, un homme de principe. Tolengi Pe, Gana, c'est Pelaki, le pauvre Ilunga Pe, Abimandengwana, mais. Je ne sais pas, na, quand on a mangé des choses de la ferme, ou bien on a été au beach, dans un lodge, ça devient compliqué, mais on ne peut pas désespérer. Ceux qui ont une majorité étaient pour ça, c'est l'élo. Ceux qui plaignent et s'ils pour réussir. D'abord, professeur, l'élo pour ça, la ligne exactement. Il y a un autre qui est maintenant, l'élo pour ça, la ligne. L'élo, ma communion, il faut faire la malheur. Il faut passer à un papa, mais c'est moins de défense. Ceux qui ont convaincu, Bissot. Est-ce qu'il y a les gars? Ceux qui ont convaincu, ceux qui ont convaincu, tu as décidé. Si tu as élection, c'est le mot connu. Élection, il faut faire la matale. Quand l'élo, l'élo. Il faut faire la matale. Attends un minute. Pour campagne électorale, ça le matale. Non. L'élo, ils allaient qu'à Capone à Kokoi, ça. Ah, bureau. Retenir bureau. Ah, d'accord. Ce qui est sami malamo, ba kosala ki bango, ba tikale. Ce qui est bakende. Ce qui est bakéi, bureau d'âge tikali kaka. Ce qui est bakéi. Ce qui est bakéi, c'est que bureau d'âge et tikali, tu es na plénière moussous pour na kopona batasi. Pour na kopona, à cause de l'élection. Oui, cause de l'élection. Pour les remplaçants. Bon, barang ba réceptionner ma candidature. Oui. Barang ba réceptionner. Bureau d'âge. Bureau d'âge. Barang ba étudier l'égalité. On va mettre une commission. Ah, la plénière va mettre une commission. Ah, d'accord. Commission, vous allez proposer votre ça là-bas. Candidature. Mais prof. Et puis dans cette commission-là, il y aura nécessairement votre FCC, la PPRD. Siko, ceux qui bourrent majorité, Madame Mabunda Zongi, président Soukarapi. Bon, président, c'est le chef de l'État. Le président n'est pas lié à ça. OK. Le président n'est pas lié à ça. Le problème, c'est que le pétitionnaire Wanande Bazo sauvé. Bazo sauvé l'Assemblée nationale. Menace et à dissolution, ça, ce n'est pas de la blague. La menace de dissolution, c'est une épée de Damoclès. Le peuple qui a élu, au moins, étant au président à lobby, tout le peuple a acclamé. Que les députés, là, ils comprennent. On ne peut pas être député de Kabila, comme j'ai entendu un député. On ne peut pas être l'autorité, un député de Tshisekedi. On ne peut pas être un député. Les députés représentent la nation. Il n'a pas d'ordre à recevoir. Même si Bapona Kenalis a eu des pèses, il y a un PPRD. Lui, le premier chef du député, c'est le peuple. C'est ça. Alors, il y a une épée de Damoclès. Je ne pense pas que l'Assemblée nationale et Kondima aient à la dissous avant 2023. Donc, ce qui veut revient à dire, Baza obligé de recouter la Union sacrée pour qu'il va sauver Mbok. Pour survivre, pour nous sauver Mbok, pour nous sauver Bangomoko, pour nous battre la paix contre le chômage. Hein? Il y a 2 ans, il y a 3 ans, Bazali obligé bande de Mamakambo et Union sacrée pour la nation. Et d'ailleurs, il y a beaucoup de la contradictoire. Député, ils allaient représenter nation. Union sacrée, ils allaient payer à nation. Ce qu'on a député à solo, on peut hésiter. Mais bon, bateau balobi que Mozito a cotité. Pardon, Fayou, Mozito a cotité dans Mamakambo. Bon, ça, il y a 5 députés qui signent pétition. On n'a pas besoin de. Bah, Mozito, c'est ce que bateau a PPD qui va signer. Où est le problème? Est-ce qu'on va dire que Mozito... Mozito n'a pas député? Ah, il y a beaucoup de députés. Un député? Mais un signé, il y a beaucoup de députés. Hein. Bon, mais il est libre, non? Il est libre.
On va terminer cette émission. Merci, professeur. Il faudra libérer rapidement parce que vous êtes des Assemblées nationales. L'émission est certainement certainement là. Pourquoi ni nous tous les peuples dans la pas tous les salut. Bon, peuple, il faut... Dans la Constitution, dans le président, dans l'Assemblée nationale. Peuple, il y a espoir. Il y a discours et président de la République. Président Ayoki. Président Azali a détermination pour changer beaucoup. Félix Tshisekedi, ce n'est pas un monsieur qui est venu au pouvoir pour s'enrichir dans le Baka. Il n'est pas venu pour se faire de l'argent. Il n'est pas venu pour se construire des fermes. Et d'ailleurs, je l'ai dit à une émission la fois passée. Et vous savez que la RDC, c'est l'un des rares pays au monde où il n'y a pas de palais présidentiel. Il n'y a pas de palais présidentiel au Mounawab. Mais les individus ont passé le temps à se construire des fermes, des palais, des hôtels ici et ailleurs, sans construire un palais présidentiel. Mobutu avait laissé un palais de marbre. Mobutu avait laissé. Donc, il ne s'occupait pas de la nation parce que la stratégie, c'était laquelle? L'inanition de la nation. Au pauvre Kaboka. Au pauvre Kaboka, pareil, dans le livre. Oui. Et le livre, ça, il faut le dire. Livre Wana Komboka et Koufa, inanition de la nation, c'est le prof Kabamba, na centre na ya politologie qui ont soutenu ça. Et il revient pour enseigner quoi aux gens? Non, je crois qu'il s'occupe de ces histoires, si les Belges, il a le droit de réfléchir comme intellectuel. Mais je crois qu'il peut mieux maîtriser Makambo ya Belgique que ya Congo. Merci. Donc notre peuple doit avoir confiance dans le président. Et on est sûr que ce président est là, il a écouté et il faut le soutenir dans cette détermination de servir le peuple d'abord et non pas de se servir lui Félix Tshisekedi ou de servir une autorité morale ou de servir un groupe d'individus. Professeur Mbata, est-ce que ce qui est le Félix Tshisekedi a beaucoup aimé beaucoup? Ce qui est Félix Tshisekedi, président de la République, a beaucoup aimé beaucoup, je le dirai. Merci. Et déjà, mais si j'étais son conseiller, si j'étais consulté, et puis Azana Batoming, Bazali Koede Ye pour Abou Kamibé Kote. Ce président est très bien entouré sur les questions de droit. Donc il ne faut pas qu'on se trompe, qu'on raconte n'importe quoi. Ce président est très bien entouré, mais si jamais, parce que tout le monde est faillible, l'erreur est humaine. Mais cela arrive, comme pour ceux de droit constitutionnel, je vous dirais que le président n'a pas fait ceci, n'a pas fait cela. Merci, mesdames et messieurs, merci d'avoir été nombreux. Vous avez suivi ce face-à-face, houleux, mais c'était important quand même, parce qu'il fallait recadrer certaines choses, mais aussi placer les décors pour le futur. J'aurai le même plaisir de retrouver le professeur Andombata en exclusivité quand il y aura une ordonnance au Yézoloba, à Etabrougi. Merci beaucoup, merci prof. Mesdames et messieurs, ça est fini. On se retrouve très prochainement. Que la peur quitte ton esprit et que Dieu bénisse les RDC. Plus précisément, la carte de Washington. Maman Marthe, né. Maman Marthe, né. Balobi Shop, Africa Union. Mais toi, t'es un gnosso. Bilo, vous allez. Na kimya bana piko na
Bina bana Congo, Toye Mali, Toye Bolonde Nelalisa.